tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur animé. Donc ça fait très très longtemps qu'on n'a plus vu animé. Et là on est sous la neige, donc on est le 11 décembre, le premier jour de la neige du coup, de l'année. Tout simplement parce qu'on a filmé des camélores, on a fait jusqu'à décembre. Du coup il a fallu que j'en mette ma ville sous la neige. Du coup on a perdu plein d'habitants. Il y en a même que j'ai refait revenir avec les cartes. On va voir ça tout de suite, mais du coup vous pouvez déjà voir à la carte que c'est pas Volition quoi comme carte, hein, on est d'accord. Donc déjà, je porte une tenue Pirates des Caraïbes, enfin le haut c'est un QR code de pirate pour bien aller avec le thème de ma maison, qui est Pirates des Caraïbes du coup. Par contre la boîte aux lettres elle clignote, donc on va s'en aller. Stéphane est parti, donc je sais on dit Stéphane mais moi je dis Stéphane. Alors, Stéphane est parti, du coup je l'ai repris à Crocity parce que j'ai pas de carte de Stéphane. Du coup je vais pas le refaire revenir, donc je l'ai pris à Crocity et je le referai venir après. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai planté des petits buissons depuis qu'il est parti, j'en ai planté 3 hier, 2 aujourd'hui. Et j'ai fait ça, donc merci du coup à Arnaud qui m'a donné les tulipes roses, puisque j'en avais plus du tout. Comme ça j'ai refait, alors là il y a le drapeau du pays de réponse, mais enfin l'emblème royal, je sais pas trop si c'est un drapeau ou l'emblème royal, mais bon c'est de réponse, et je sais pas si je vais le laisser là, mais c'est juste parce que j'ai changé plusieurs motifs, parce que j'essaye un petit peu d'avancer dans la ville, je suis motivée. Donc là j'ai changé les motifs parce qu'il a fallu que je supprime des motifs pour en mettre d'autres. Je vous montrerai tout ça un peu plus tard. Donc on a plein de mauvaises herbes et on a plusieurs trucs à travailler, donc je propose qu'on fasse tout ça ensemble, ça peut être bien. Bon, déjà on en a 50 000 de mauvaises herbes et on va peut-être sortir notre pelle pour pouvoir enlever toutes les fleurs qu'on n'a pas besoin, les fossiles, les gyroïdes et ce genre de choses. Bah déjà en fait je pense qu'on va pas déterrer les affaires maintenant parce que j'ai pas beaucoup de place dans mes poches. Du coup on va déjà enlever les fleurs. Donc ici on a Pauline, donc Pauline vous voyez là, le petit panda trop chou. Et c'est installé là, donc je suis assez contente. Et on a des nouveaux motifs herbes. Donc c'est Tic et Tac. Je les trouve trop cute. Voilà. Et peut-être que ce panneau de Ariel va être remplacé. Si vous avez... Enfin, j'ai deux motifs Ariel. Donc à mon avis, on verra l'autre après. Mais du coup, je sais pas lequel enlever. Parce qu'il me faut en fait, il me faut plein de place pour mes motifs. Donc c'est un peu compliqué. Oh mince. Bon tant pis. Celui-là on l'enlève. Sinon... Ah, je pensais que c'était un faux rocher ça. Je connais toujours pas l'endroit des rochers de ma ville. C'est triste. Bref. Du coup là au moment où je vous parle, on est le 15 août. Donc oui, ça c'est normal, les motifs là, c'est pour éviter qu'un habitant vienne se placer ici. Vu que maintenant les habitants ne peuvent plus se mettre sur les patterns, donc c'est pas mal. Alors là, on est sur Che. Ouais, je sais pas trop comment on dit. Ok. Alors là, il nous faudra des tulipes roses, on ira les chercher vu qu'Arnaud nous en a donné beaucoup. Alors ça c'est Amande, qui est toujours là. Là... Oh, c'est qui veut me parler? Attendez, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle veut? Regarde, Laure, j'ai trouvé un petit cadeau qui te plaira, j'en suis certaine. C'est un t-shirt nappe bleu. C'est charmant, n'est-ce pas? Une joker. Non, j'en veux pas. Si tu veux pas, tu peux faire cadeau à quelqu'un d'autre. D'accord. Comment faire devenir les humains en poubelle? En deux étapes avec Amande. Du coup, on a vraiment plein de mauvaises herbes. Je pensais pas qu'on en aurait. Que j'en avais autant.
Du coup, j'espère que j'aurai le badge mauvaise herbe. Je sais pas si j'en ai déjà un. J'ai regardé un peu. Oui, j'en ai déjà un de 50. Je crois que c'est 50 mauvaises herbes. Du coup, voilà, c'est pas mal. Alors ici, on a fini la rangée des trèfles à quatre feuilles. Il nous reste la rangée des clochettes, mais j'ai pas... Oh non! Ah non! Bref, j'ai pas assez de clochettes, enfin d'échelle de Jacob, pour pouvoir les mettre, parce que je n'ai plus la ville parfaite, voyez-vous. Et ça, c'est un peu chiant, parce que, bon, si les habitants me proposaient des projets, moi, je veux bien faire une ville. Mais sans projet, vous voulez que je fasse comment? Alors, cette maison va être refaite. Et je pense même un peu la décaler. Voilà. Donc c'est tout. Voilà, c'est pour dire. Ici, donc, Calypso était partie. Mais je l'ai fait revenir. Et vous voyez, elle s'est juste décalée d'un carré, en fait. Donc c'est Calypso. Et elle va revenir. Bah, du coup, demain, elle sera là. Et ici, donc, nous avons une nouvelle habitante. Ici, c'était Christine, si vous vous rappelez. Du coup, bah là, ce n'est plus Christine. Je sais pas comment on va faire. Non, on va, voilà, on va mettre des motifs. Et donc cette habitante-là, c'est Violette. Donc Violette, c'est une grenouille avec une énorme bouche. On va voir ça tout de suite. Vous allez voir, c'est incroyable. Voilà. Une de ses bouches, c'est incroyable, hein. Mais ça va, en fait, il y a une autre grenouille. Je pensais que c'est elle. Il y a une autre grenouille mauve avec une bouche rouge énorme et des cheveux blonds. Je crois que c'est Gloria. Ah, on se croise enfin! Bah ouais, depuis que je t'ai aperçue en ville, j'attendais une occasion pour venir te parler. Je t'appelle Laure, pas vrai? Enchantée, moi c'est Violette, je suis nouvelle ici, Quiquis. Quiquis, oh, c'est mignon. Mais du coup, j'aime bien son côté Égypte, avec la lampe d'Aladin et tout. Oh, cette musique, ça serait trop bien pour la maison de Jasmine. Kéké Bohème. Faut retenir. Il me faut Kéké Bohème. Alors, ensuite. Ah, ici, donc on a Pauline. Si vous saviez pas qui c'était. Elle est vraiment trop chou, je trouve. Ici, j'ai peur un peu de péter les fleurs. Non, tout va bien. Du coup, tout va bien. Oh, un trèfle à quatre feuilles. Ça, c'est top. Ça, c'est top, top. Et ici, il y avait un ours. Je sais plus son nom. Je crois que c'est Teddy, l'ours, qui était là. Il est parti. Je suis très très contente. Du coup, j'ai pu refaire mon allée. Donc, vous voyez, ça c'est cerise, buisson, fleur noire, buisson, pomme, buisson, fleur blanche. Puis voilà. Et donc là, c'était les pommes, mais du coup, je les ai enlevées. Pour pouvoir replanter une pomme. Non, 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 non. Tant pis, on va devoir replanter un buisson là. Fen, je suis contente. C'est vraiment trop chiant de devoir viser comme il faut. Mais du coup, ça serait chouette si on avait plein de trèfles à quatre feuilles. Bon là, ça va être chaud de tout enlever. Hein. Moi, j'essaye de courir dessus. Oh, ça m'énerve! Voilà. Au moins, là, ça va plus vite. Mais il y en avait trop, ça me donnait la flemme rien que de les voir. Nickel, donc ça c'est un rubis, je crois. Je crois bien. Je crois que j'ai raison. J'ai raison. Bah oui, bien sûr. Du coup, j'espère que j'ai assez de place dans mes poches pour reprendre les hybrides, hein, parce que ça, j'ai pas envie de les éclater. Non. Oh, oui. Qu'est-ce qu'il y a?
Dis, j'ai vu que tu avais un pull. D'accord. C'est pas mal. Ok, vas-y. Va pour 180 clochettes, parce qu'on peut voir qu'on n'a plus de sous. Hein. C'est incroyable. On n'a plus de clochettes. Ça me rend folle de joie, tu peux pas savoir Scratchy. J'aime trop trop Irène, elle est trop chou, je trouve, comme petite habitante. Et je crois qu'elle est là depuis le début de ma ville, hein. Je pense. Mais non, Irène, tu te fous de ma gueule? Non mais j'hallucine. Ah la fille, comment elle s'est foutue de ma gueule? Je suis en train de les enlever toutes et toi tu viens me planter une fleur. Par contre, le bip-bip de la boîte aux lettres, c'est chiant. Voilà, ici, qu'est-ce qu'il nous manque? Ah oui, il nous manque. Ah bah c'est génial! Voilà, comme ça, on en a une en moins à transporter. Et voilà pour ça. Alors ici, on est sûrement passé déjà devant. Mais ici, j'ai changé un peu les motifs. Vous voyez, ça fait doré pour aller jusqu'à la maison d'Agrabah, la maison d'Aladin. Et oui. Ah non, mais. Oh, mais c'est une blague, je sais pas viser. Et. Par contre, à l'intérieur de la maison d'Aladin, il n'y a rien qui a changé pour le moment. Donc, ça, bah. On n'ira pas voir cette maison, en tout cas, je vais pas vous la montrer, parce que, bah, il n'y a rien qui a changé. Mais je sais pas trop s'il y a des maisons qui ont changé, en fait. C'est ça le truc. À part les motifs, etc. Du coup, je pense que je vous montrerai pas les maisons dans cet épisode. Sûrement dans le prochain. Dans le prochain, j'aurai eu le temps d'avancer dans les maisons. Mais surtout que là, déjà. Moi, qu'est-ce qui se passe? Oh non, petite dispute des petits écureuils. Ah, c'est parce qu'elle a vu que je lui avais redonné le t-shirt nappe bleue, ça. Ah oui. Oh, pauvre petit chat. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc dans le prochain, j'aurai eu le temps, parce que là, il faudrait déjà que je remette ma ville à flot. Je pense que le coin Bambi, on va l'enlever un peu de là. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en attendant, ce qu'on pourrait faire, c'est on enlève ce géroïde et j'ai un sapin qu'on peut planter. Voilà, on va planter le sapin. Voilà, c'est 100 fois mieux. C'est triste hein, quand même de voir la neige et tout. Il fait super sombre. Là, il est 17h. Il fait super sombre. Ça me rend triste à mort. Mais en plus, le pire, c'est que. Je sais pas vous. Mais nous. Bah, chez nous, en fait, il fait pas bon. Genre. Il y a que de la pluie. Là, cette nuit, je me suis réveillée par l'orage tellement il était fort. Donc, ouais, franchement, je crois que depuis que je suis rentrée de vacances, donc depuis juillet, j'ai eu qu'un seul jour de beau. Donc, c'est merveilleux. Hein, on est tous contents par ici de voir ce magnifique temps. Donc, j'espère que chez vous, il fait meilleur. Parce que franchement, c'est triste hein, dans ces cas-là. Genre, en plus, je suis sûre qu'on va reprendre l'école. Et là, il va faire beau. C'est ça qui m'énerve le plus. Putain, mais il y en a plein d'hélices jaunes. Qu'est-ce qu'ils font ici avec ça? On n'a pas eu beaucoup de trèfles à quatre feuilles, hein, par contre. C'est pas. C'est pas top. Donc ici, on est chez Camille. Donc oui, voilà. Vous voyez, j'ai téléchargé une image de clochette. Un portrait, en fait. Et du coup, ça m'a changé le motif en portrait de clochette. Du coup.
faut que j'enlève tout ça et que j'en remette d'autres parce que bah, du coup c'est laid. C'est très laid. Voilà. Donc chez Camille, bah après ça avance, la façade elle est bien, il manque juste la porte et le toit quoi. Mais comme la porte et le toit sont roses, ça va encore. Ça fait pas trop cloche. Mais j'espère trouver rapidement une jolie petite façade pour chez Camille. Ah, je propose d'ailleurs qu'on aille voir après des façades. Oh, j'ai cru qu'il était déjà périmé. Enfin, qu'il était. Comment on dit? Bah, je ne me rappelle même plus comment on dit. Comment. Mais qu'il avait pas poussé quoi. Je sais pas trop comment on dit. Ah, je sais plus. C'est pas qu'il est périmé, c'est qu'il a pas poussé, donc il a pas pris, donc. Oh, je sais pas. Ah! Un petit trèfle. Ça, c'est bien. Ah, je suis contente. Et elle a pas de trèfle, par contre. Ah! Qu'est-ce qui se passe? J'en avais déjà planté? Ah non, il y a un... Génial. Bon, du coup, on va planter ça là. Sinon, on saura pas prendre ce qu'il y a. Planter. J'espère que je vais pas détruire une pensée orange. Ah! Ouh, c'est bon, pour une fois, j'ai réussi à viser. Désolée pour ma voix, elle part un petit peu, j'ai l'impression en ce moment. C'est un petit peu énervant. Et voilà, on a fait le tour. Oula, je crois qu'on a fait. Ouais, on a bien fait le tour de la maison d'Amande. Ça, c'est nickel. Après, je vais voir un petit peu si on n'a pas des trucs à faire avec ballon à descendre. Ah oui, d'accord, bah, c'est cher tout ça. Hein. Ça cher. Moi, je prends beaucoup d'argent. Hein. Du coup, ce qu'il y a, c'est qu'on peut mettre ici des tulipes roses. Voilà. Est-ce qu'on en a encore une là? Non, je pense que non. Du coup, là, ça, on va faire une rangée de buissons. Je pense qu'on n'en aura pas assez. On va compter. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, donc du coup, ce qu'il y a, c'est qu'on va mettre. Ouais, on va mettre une là. Et donc, il nous manquera une mauve là. Ou alors. Non, ou alors ici, je fais d'autres fleurs. Je sais pas encore. On verra bien. Bah écoutez, je pense que là, on a enlevé. Le plus gros. Il me reste à enlever les fossiles. Et puis, je pense que quand j'aurai enlevé les fossiles, je pourrai peut-être mettre la ville à jour. Je ne sais pas trop. Peut-être. On verra bien. Ah ouais, mais si la ville est à jour, je ne saurais pas vous partager le code d'Enérique maintenant. Ouais, non. Du coup, la ville à jour, on la mettra... Genre, au prochain épisode. Donc l'épisode numéro, je sais pas combien. Celui-là, plus 1 pour l'épisode. Voilà. Du coup, bah voilà, voilà, voilà. Je pense qu'on a fini. C'est un petit peu tristounet avec les nuages menaçants et la neige. Je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Salut!